Wesh Kev, bien ou quoi? Ça va et toi, bien tranquille? T'as l'air un peu deg là. Ouais, ça me prend la tête, putain. Ça t'arrive? Eh, celle, elle me casse les couilles en vrai. Encore? Yeah. Au départ, elle était belle, rassurante. Le débit rythmé d'amour récurrente. Quant au vice qui nous entoure et en tous, ses lèvres douces mettent en terre un tas de craintes qui naissent de chaque faiblesse et dans le tort. T'apaises de ses mots pesés, délicatement déposés. Brusque dans ses gestes, vu tourner qu'ambition et oser franchir le cap à sa vue dès lors. Seul handicap de l'art, la douleur. Alors, novice à l'heure est l'or. Avec un doigt des magiques et magistral animant d'où tes rages, d'où ces pages noircies dans la soif d'idéal, d'où ces phases nostalgiques. Car moi peu j'étais aimant, convoitant les devants, devenir numéro un dans tous ces amants. Je la rêvais à moi, priant que ce sommeil dure et en moi je ressens l'amour, mais bizarrement tout reste amer. Je la voyais pure, mais dans l'extase j'en avais peur, peur de la perdre. On faisait la paire, elle était pour, mais je pressentais le pire. Eh, franchement, j'avoue, je te comprends, moi aussi ça me saoule en vrai. Et pour tout le monde, c'est la même, je crois. Putain. Les années passent, son doux regard n'est plus disparu. Dès ma rencontre avec la rue déclarée haineuse à mon égard et sans motif égard. Protection et tendresse, donc prétexte tant de risques. Proteste les moindres faits et gestes effarés. De par ce manque de l'est, le réflexe reste brusque dans nos gestes. Elle s'est débuffoirée, illusionner les promesses. Elle est grosse, cesse de s'affûter mais laisse. Vu que le cycle se perpétue à quasi toutes les grossesses. Oh mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Elle est encore dans ce délire, elle est défoncée ou quoi? Vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi bien là. Écoute juste ce qu'il a à dire, tranquille. T'inquiète, tu vas capter. Incertain dans mes vers, ainsi que dans mes termes. J'sais plus quoi faire et dans ma sphère, elle est ce mauvais germe. Les marraines mentissent, similitudes au contraire. Les gens disent, se contredisent et mille études le confrère. J'confirme. En vrai, ça me prend la tête, ma parole. Hein. Ouais, mais j'comprends, t'inquiète. Ouais, mais ça me saoule, les débuts c'était pas comme ça. Après, comme je te disais, les années passent et au final, c'est la même. Toujours, toujours. Au début, je vous parlais d'elle comme d'une femme quasi idéale. Une mère, une âme sœur, comme c'est l'idéal. Je reste ses âmes seules. Des premiers pas mémorables, honorables. N'empêche qu'au jour du mémorial, sur le seuil de sa morale, je la décris sous l'aspect de ses êtres. Indispensable à mon cru. La femme, pour qui le but c'est d'être. Une frontière entre terre et Dieu est. La mienne s'assombrit, t'as compris qu'ici c'est de la vie qu'il s'agit. Réagit, elle était belle à la base. À la puce douce, si habile en ses phases. Mais en douce rase, le peu de bien qu'on a tous à croire qu'elle a brisé mes cartes par ses mise à l'écart, sa rancune me sépare de ma part. Alors écoute quand j'en parle, car au fond je la kiffe telle qu'elle. Magnifique ou cruelle, au goût amer ou de miel. Elle est mienne, c'est ma vie, elle ne l'a choisie. Elle ah, carrément il parle de la vie. Ah ouais, espèce de con. J'ai rien pigé. Comme d'hab, toujours le même. Ah, la vie, c'est une grosse cigarette qu'on oublie de fumer. Une Marlboro Light sans light.